Bonjour et bienvenue à tous, que vous soyez ici à l'église ou que vous soyez sur Zoom ou YouTube. C'est une joie d'être ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi d'être ensemble pour louer notre Dieu ensemble? Oui. Oui, parce que nous sommes son peuple, nous sommes sa famille. Et ce matin, nous voulons vraiment le bénir et le célébrer pour sa bonté, sa fidélité. Oh,
Jacques va nous lire le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Je recommence encore. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Oui, Seigneur, nous entrons dans tes portes avec reconnaissance, reconnaissance pour ta grâce illimitée qui nous sauve, qui nous encourage, qui nous transforme. Et merci, Seigneur Jésus, toi, l'agneau de Dieu, qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Je
Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la
pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Nous sommes vraiment d'horizons très différents. Nous sommes de générations différentes, nous avons des origines différentes, nous faisons des métiers différents, nous aimons différentes choses. Mais il y a une chose qui nous unit, et c'est Jésus. Et Jésus est ici, il est présent avec nous, comme il est tous les jours. De Dieu des quatre coins de l'horizon quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom quand les cœurs s'ouvrent que les mains se tendent et tous âmes soupir à t'entendre, assoiffé de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, assoiffé de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand les peuples peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom quand les cœurs s'ouvrent que les mains se tendent quand nos âmes soupir à t'entendre, assoiffé de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi.
Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand l'auteur du chant Amour extravagant que nous allons chanter a écrit ce chant, il pensait en fait à la parabole de la brebis perdue. Et cela correspondait à son propre expérience parce qu'il était touché par le fait que le berger a laissé les 99 autres pour chercher celle qui était perdue. Et c'est ce qui lui était arrivé quelque part quand Dieu est venu le chercher et qu'il a trouvé. Et je pense que ça peut résonner avec nous aussi et notre propre expérience du salut. Déjà oh, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu vis ta vie en moi. Et tu es si tendre ni mensonge.
songe tenir sans que tu me cherches. Aucun homme n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister ni mon songe tenir pour que tu me cherches. Aucun homme ne peut résister ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister ni mon songe tenir sans que tu me cherches. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Maintenant louer Dieu par nos prières, que ce soit à haute voix ou que ce soit dans nos cœurs, il nous entend. Oui Père, ton amour est tellement renversant. C'est lui qui vient nous chercher, même quand nous sommes loin de toi. C'est toi qui nous démontre ton amour, un amour que nous ne pouvons connaître avec personne d'autre. Lorsque nous chutons, c'est par ton amour que tu viens nous ressaisir. Et nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Tu es ce Dieu qui vient à notre rencontre. Même quand personne ne viendra à notre rencontre, même si nous sommes dégoûtés de nous-mêmes, toi tu continues de nous aimer. Je veux vraiment te remercier pour cela. Et je te prie s'il te plaît vraiment qu'avec toute l'Église on puisse te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes reconnaissants de cet amour qui est extravagant. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prier, peut-être à... Vous avez un chant à partager qui peut édifier l'Église, un verset à lire, partagez-le pour que l'Église soit encouragée dans l'adoration de Dieu. Thank you.
de te connaître, parce que tu nous as choisis, parce que tu as décidé de nous aimer, de venir nous chercher. Mais on veut aussi te prier peut-être pour toutes ces personnes que nous côtoyons jour après jour, que ce soit dans nos villes, dans nos villages, que ce soit nos voisins, des amis, nos collègues. On te prie, s'il te plaît, qu'eux aussi, ils puissent te connaître et te reconnaître comme leur sauveur et seigneur. Qu'ils puissent connaître cet amour qui est extravagant et qui transforme les vies en profondeur. Seigneur, on veut vraiment te prier pour chacune de ces personnes auxquelles nous pensons. Nous pensons aussi à cette région où il y a beaucoup d'habitants et très peu de personnes qui te connaissent, très peu d'églises. On te prie, s'il te plaît, que ton évangile, par sa puissance, vienne toucher tout ce que tu appelles à toi pour qu'ils puissent vraiment commencer cette nouvelle vie avec toi. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te louer parce que je sais que chaque matin, ta bonté, ta compassion envers moi vont se renouveler. Je sais que tu vas m'accompagner, que tu vas me diriger, tu vas me consoler, tu vas m'encourager. Et cette vie est pleine d'incertitudes, mais une chose est certaine, c'est que je peux compter sur ton amour, cet amour qui est venu me chercher et me sauver. Pardon, 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 pard
trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour. Qui va nous apporter. Faire un grand sourire, dire bonjour à votre voisin de devant, de derrière. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit message en même temps. Romain, tu peux mettre le gâteau ? On est bien là, non? Ah.
plus, on a même le soleil. Donc, encore l'occasion de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue, que vous veniez dimanche après dimanche ou peut-être pour les premières fois, soyez les bienvenus. C'est l'occasion de partager quelques petites nouvelles de notre église pendant ce temps aussi que les collégiens qui ont fait le culte jeunesse s'installent. On est content aussi que vous nous rejoigniez et de passer ce temps de prédication avec vous. Donc vous savez que dans notre église, ce qui est important pour nous, c'est aussi de nous retrouver en dehors du dimanche, en plus petits groupes pour apprendre à se connaître. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs groupes de maisons qui se réunissent. Et cette semaine, il y a les groupes de Forge, mardi à 20h, jeudi à Vulaine à 20h30, à Veneux à 20h et vendredi à Saint-Mamé. Donc on vous invite vraiment à participer au groupe de maison. Si vous n'en avez pas encore, à l'accueil, vous pouvez demander une petite feuille pour vous inscrire. Comme ça, vous recevrez les informations du responsable du groupe pour vous dire où ça se trouvera semaine après semaine. Samedi, il y a Kids Club. Donc il n'y a pas les enfants, donc je ne peux pas faire la réplique, mais peut-être vous la connaissez aussi. Il y a Kids Club. Je peux pas, j'ai Kids Club, c'est la devise de Kids Club. Donc c'est pour les enfants de grande section de maternelle jusqu'au CM2. Et c'est un temps vraiment festif où ils ont un temps de louange, d'adoration, de culte, mais aussi encore avec plein d'activités. Donc c'est toujours un temps précieux. Donc les parents, vraiment c'est un temps précieux. Emmenez vos enfants au Kids Club qui se déroulera ici de 9h à 11h30. Donc samedi, Kids Club à 9h30. Les pré-ados, donc les collégiens, se réuniront à 18h. À l'église. Aussi, c'est toujours l'occasion aussi de rappeler que vous pouvez soutenir financièrement votre église parce qu'on fonctionne uniquement avec les dons des personnes qui fréquentent l'église. Et je propose qu'il y ait un membre du compte. Natacha, ça tombe bien. Natacha, tu veux bien prier pour les offrandes, s'il te plaît ? Donc, Natacha, c'est la responsable de l'équipe de comptage des offrandes. Et c'est aussi la comptable de notre association culturelle qui vient accompagner. Nous savons que tout est à toi. Nous voulons te marquer notre amour, notre obéissance. Et nous venons avec ce que nous avons, Seigneur, pour te donner. Et que tu reçoives comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Et nous voulons aussi prier pour ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas pu te donner, Seigneur, que tu permettes, c'est toi qui pourvois, Seigneur, pourvois leurs besoins afin qu'ils puissent aussi donner pour ta maison, afin que tes œuvres avancent dans le monde, Seigneur. Bénis toutes les mains qui ont donné, Seigneur, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Amen, merci. Denise, tu peux t'approcher, s'il te plaît ? Donc, à noter pour les prochains, la semaine, pas cette semaine, c'est celle d'après, mais comme ça, vous pouvez déjà bien le noter dans votre calendrier. Rendez-vous de louanges et prières, vendredi 29 octobre à 19h. Et le samedi 30 octobre, notez-le bien, il y aura une soirée avec les chrétiens persécutés. Donc, voilà, les informations s'affichent. Donc, c'est 19h rendez-vous ici pour un temps d'accueil, 19h30 louanges et 20h, on aura le début de la retransmission. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à Herbert qui sera le responsable de cette soirée. Aussi, le moment que vous attendez tous. Je ne sais pas si vous l'attendez. Voilà, la vente de confiture reprend. L'année dernière, je m'étais dit, j'arrête, je ne fais plus rien. Et puis voilà, il y a eu le 9 mai un message de Thierry Miron, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi ça m'a vraiment interpellée. Thierry Miron devait parler de la mission. Or, il n'a pas seulement parlé de la mission, il a essentiellement parlé de l'amour que nous portons aux autres. Et ça m'a vraiment interpellée. Il disait entre autres, quand on perd le langage de l'amour, on perd tout. Et puis, l'amour est le résultat de notre relation à Dieu. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi ça m'a interpellée pour les confitures, j'en sais rien, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, faire des confitures, d'accord, c'est un travail, les vendre, ok, c'est vous qui les achetez, mais c'est une manière de montrer à ceux qui n'ont rien, à ceux qui bataillent pour pouvoir se faire soigner, montrer un peu d'amour, apporter un peu d'amour. Alors, je vous encourage à acheter un pot au moins pour montrer votre amour. Si
Si vous ne mangez pas de confiture, achetez-en pour en offrir. J'en connais plusieurs parmi vous qui disent « Je n'en mange pas, mais j'en achète parce que ce sont des cadeaux sympas. » Alors profitez-en, c'est le moment. Merci. Donc, mangez de la confiture. À chaque fois que vous ouvrez un pot, vous pouvez prier aussi pour les personnes que vous soutenez concrètement dans... C'est au profit de l'hôpital de Mango. Ah oui, tu ne l'avais pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit. Donc je le dis alors. En fait, il y a une caisse de solidarité qui existe dans l'hôpital de Mango au Togo, là où sont Timothée et Myriam. Myriam, merci, heureusement que vous êtes là. Et en fait, ça permet de financer les soins pour les personnes qui n'ont pas les moyens de financer, par exemple, je sais pas, une opération ou alors un bras cassé, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous achetez une confiture, vous aidez ces personnes-là très concrètement à simplement être en bonne santé ou en tout cas de réparer ce qui est cassé. Donc c'est très concret. Aussi, on a d'autres choses assez concrètes. C'est que par exemple, il y a une boîte où vous posez vos cartouches d'imprimante qui sont usagées. Et alors déjà, c'est écologique. Deuxièmement, c'est solidaire parce que ça fait de la réinsertion par le travail. Et troisièmement, en fait, ça fait des finances pour notre association culturelle, pour avoir des actions de proximité ici aussi, pour faire du bien aux personnes, soit de l'église ou de l'extérieur. Donc, voilà, plein de choses assez concrètes qui sont simples à mettre en œuvre. Et je n'ai plus le diaporama, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour les infos. Je pense que je n'ai rien oublié. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Éphésiens. Vous savez qu'on a commencé une série de prédications. Ah oui, la garderie. Alors, on m'a donné cette note-là. Nous invitons les parents à déposer leurs enfants à la nurserie pour les enfants de 0 à 2 ans et 11 mois et 30 jours. Donc, vous pouvez les déposer, il va y avoir un programme pour eux avec des temps de jeu. Et n'hésitez surtout pas, là, on va parler un peu plus longuement de la nurserie dans les prochaines semaines, c'est en train de finaliser en termes d'organisation. Et logiquement, on va dans le sens d'avoir un temps d'éveil à la fois pour les petits, dès le plus jeune âge, d'apprendre à connaître notre Père. Donc, ouvrez votre Bible dans Éphésiens au chapitre 1. C'est la classe américaine, là. Merci beaucoup. Et j'ai envie de vous poser cette question-là. Pourquoi devrions-nous prier? Lorsque vous installez peut-être à votre table ou à votre voiture ou à votre promenade en forêt, pourquoi est-ce que vous priez? Quels sont vos sujets de prière? Henriette dit qu'elle loue Dieu. Super. Quelqu'un d'autre? Dans la voiture, paye et elle prie pour trouver un parking. C'est très, très concret. Quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Pour remercier, oui. Pour le remercier pour sa protection divine, elle a demandé. Pour trouver le chemin. Parce que parfois, c'est le GPS qui nous perd. À pied aussi, on peut se perdre, je sais. Ça m'arrive de temps en temps. Mais oui, justement, et je pense que c'est intéressant finalement de nous poser cette question-là. Finalement, la Bible... Qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur la prière? On a eu l'une ou l'autre prédication qui parle de ça. Et ce matin, je pense qu'on va surtout être focalisé sur quelque chose, c'est prions pour connaître Dieu et admirer son œuvre puissante. Et on va voir qu'il y a une invitation vraiment à la prière sur trois domaines spécifiques. Remercier pour la famille de Dieu, connaître plus profondément Dieu, et troisièmement, connaître la puissance de Dieu. Et je vous invite à lire donc dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 15 à 23. Et moi, j'ai plus trouvé ma Bible. Vous voyez, comme quoi, un sujet de prière supplémentaire. Je vais prendre celle-là. C'est bizarre, je l'avais avec moi pourtant. L'autre fois, on m'a piqué un masque, maintenant on m'a piqué la Bible. Vous en voyez où on en est dans l'église. Hein. On a besoin de prière, hein. Je lis, donc Éphésiens 1, verset 15. Donc c'est Paul qui parle suite au verset qui était avant. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. »
Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais aussi encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Mais Père, je te prie, s'il te plaît, que tu ouvres les yeux de nos cœurs ce matin pour que nous soyons réceptifs à ta parole, pour que nous puissions vraiment nous émerveiller de qui tu es, te connaître davantage, te louer de mieux en mieux, mais aussi connaître ta puissance qui se révèle dans nos vies. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, Paul commence déjà par remercier Dieu pour la famille. Et il commence par dire, il y a deux preuves qui font que je crois que vous êtes des croyants dans la façon dont vous vivez. La première, c'est votre foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus comme notre sauveur, notre rédempteur, celui qui nous sauve du péché, mais aussi la foi et l'obéissance en Jésus qui est le chef de votre vie, de notre vie. Et c'est, on ne peut pas dissocier les deux. C'est comme si vous aviez une pièce, il y a le côté pile, le côté face, les deux vont ensemble. On ne peut pas dire Jésus c'est que mon sauveur ou Jésus c'est que mon chef. Jésus c'est mon sauveur et mon chef. C'est le Seigneur de ma vie. Paul ne fait pas mention d'une foi qui serait supérieure des Éphésiens par rapport à d'autres, mais c'est la foi normale des disciples de Jésus-Christ qui sont rachetés par Jésus-Christ et qui veulent vivre pour Jésus-Christ. Deuxième preuve, l'amour pour les membres du peuple saint, c'est-à-dire la famille de Dieu. C'est la seconde preuve d'une conversion authentique à Jésus-Christ. Et par exemple, Jésus dira en Jean 13, verset 34, tu peux défiler au fur et à mesure, s'il te plaît. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Non, c'est. Enfin. Je recommence. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est Jésus qui dit cela, un commandement nouveau. L'amour dont parle la Bible, c'est un amour qui est exigeant. Et Jésus nous dit en plus, c'est un commandement. Et il nous demande de le pratiquer, cet amour. Et Jésus nous dit de le pratiquer déjà envers les frères et les sœurs. Alors déjà, de ça, on comprend que cet amour-là, ça consiste déjà à ne pas être méchant envers quelqu'un, ne pas calomnier, dire des mauvaises choses de lui, ne pas lui faire de tort. Je veux dire, ça, c'est un amour. On a déjà, parfois déjà du mal sur ces bases-là, mais c'est un peu la base de l'amour, quoi. Mais c'est un amour un peu supérieur qu'il nous demande. Mais il est question d'aimer comme Jésus, et ça implique bien davantage. Ça implique de pardonner, pas toujours facile, s'investir aussi dans la vie de la personne, s'intéresser à la personne, juste, pas être juste superficiel, avoir comme des amitiés Facebook. C'est la question de connaître personnellement quelqu'un, de le voir régulièrement, lui faire du bien, être avec lui tant bien physiquement que spirituellement, être avec elle pour connaître par exemple ses sujets de prière, peut-être les difficultés qu'elle rencontre, mais aussi l'encourager, lui dire « Je veux vraiment t'encourager à persévérer dans la foi. Je veux t'encourager à continuer dans la lecture de la Bible. Je veux t'encourager à continuer à fréquenter l'Église, à continuer à t'investir dans des relations, même si elles sont difficiles parfois. Mais aussi exhorter. On en a parlé au groupe de maison de Nemours vendredi. On disait, mais parfois c'est difficile de dire à quelqu'un, là je pense dans ce domaine-là de ta vie, il y a quelque chose qui ne colle pas trop. Peut-être c'est quelqu'un qui ne fait que jurer du matin au soir.
c'est aussi l'aimer de le prendre peut-être à part et lui dire, je pense que cette attitude-là, ça ne correspond pas à une vie de disciple de Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut déjà se connaître. Si moi, je vais aller voir quelqu'un qui se trouve peut-être en bas sur le quai de la gare et lui dire, mais purée, depuis avant, je t'entends que dire des gros mots, je pense que ça ne sert strictement à rien. Et parfois, on a on imagine que dans l'église, c'est un peu différent. Quelqu'un que vous voyez peut-être dans le couloir, vous allez le voir et vous lui dites quelque chose, mais ça lui passera ici. Tandis que si vous le voyez semaine après semaine, peut-être dans un groupe de croissance, que vous lisez la Bible, que vous priez ensemble, que vous connaissez les sujets où peut-être la personne est en lutte, quand vous lui poserez la main sur l'épaule et lui dire, tu sais, je t'aime, mais je pense qu'il faut qu'on discute de ce point-là, je vous assure qu'il vous écoutera, parce qu'il sait que vous l'aimez. Soyons francs, on n'y arrive que partiellement. Et on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon, parce que déjà, on est limité. Alors déjà, même si on a beaucoup de patience, on est limité en patience. Aussi, il ne faut pas se mentir, il y a aussi le péché qui vit en nous, et naturellement, on est poussé vers l'égoïsme. On trouvera toujours des excuses. Je n'avais pas assez de temps pour passer du temps avec quelqu'un de l'église. Je n'avais pas du temps pour faire ceci ou cela. Mais c'est juste parce qu'on avait assez de temps pour nous, en fait, la plupart du temps, ou dans les choses qui, pour nous, étaient importantes. Est-ce qu'on est focus sur les mêmes priorités que Dieu ? Et aussi, et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que humainement, en fait, on sait gérer un nombre limité de relations profondes. Peut-être vous pouvez être en relation, pour certains, avec 10 personnes, de manière très proche. Peut-être certains arriveront à 20. Mais vous ne pourrez pas cultiver ces relations aussi facilement. Un truc tout simple, déjà, c'est que dans la journée, il n'y a que 24 heures. En plus, il y a un moment où on dort. Vous pourrez, au pire, voir 24 personnes dans une journée. C'est déjà énorme. Mais donc, si on veut être cohérent, ça nécessite d'avoir du temps avec les personnes. Et en 1 Jean 3, versets 14 à 18, c'est un peu détaillé. Quant à nous, nous savons... Ça ne marche pas, si tu peux... Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens dans ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Si Jésus dit qu'on est censé pouvoir donner notre vie pour notre frère et sœur, qu'en est-il de donner quelques heures, peut-être toutes les semaines, toutes les deux semaines pour passer un peu de temps avec quelqu'un? Vous voyez juste l'équilibre à trouver avec ce que Jésus nous demande, ce que les apôtres nous disent des demandes de Jésus et notre vie quotidienne. Je pense que ça nous interpelle chacun. Mais comprenez bien ça, c'est que la question, ce n'est pas d'arriver à une sorte de coupe du monde de l'amour. C'est la question, c'est comment est-ce que moi, demain, lundi, je peux progresser dans ce domaine-là? Parce que c'est ce qui est dit là. La foi sans amour, c'est une foi non pratiquante. La foi sans amour, c'est une foi non pratiquante. J'insiste ce matin sur la question de l'amour fraternel parce que ça fait maintenant presque un an que Herbert prêche sur cette lettre de 1 Jean. Et finalement, depuis un an qu'on parle quasiment à chaque prédication, c'est l'amour de Jésus, l'amour pour les frères et sœurs. Qu'est-ce qui a progressé dans ma vie depuis un an, depuis que une fois par mois au moins, on parle de ce sujet-là? Qu'est-ce qui a progressé? Je pense vraiment que c'est le baromètre le plus visible de notre authenticité et de notre engagement en tant que disciples de Jésus. C'est aussi le baromètre de notre Église vis-à-vis de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as trouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, parce qu'ils connaissaient la Bible, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc,
d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Vous savez à qui est écrite cette lettre-là? À l'église d'Éphèse. Je pense que c'est vraiment un appel pour nous à ne pas rester sur nos acquis, à dire « Ah oui, bah là on aime, on est fort, on est chaleureux et tout ça. » Mais de s'examiner soi-même de peur qu'un jour on perde notre premier amour pour Jésus-Christ et pour sa famille, notre famille spirituelle. Et c'est vraiment, je pense, concrètement, si on reste que sur « on se voit et on est bien pendant une heure et demie le dimanche », je pense qu'on ne tiendra pas dans ces engagements-là. On vient de vivre une période très mouvementée, ça a remis à plat toutes nos habitudes et ça nous interroge sur ce qui est important pour notre vie. Est-ce que je suis seulement assistant d'une représentation culturelle du dimanche? Si c'est ça, on se plante complètement dans notre appel de qu'est-ce que c'est d'être un enfant de Dieu. Au contraire, on est appelé à cultiver pratiquement l'amour fraternel. Et il est évident que le premier pas dans ce domaine-là, ça consiste à nous connaître les uns les autres, à connaître Dieu. C'est comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est aussi là qu'on peut voir la solidarité. Est-ce que je suis attentif aux besoins d'une personne qui est malade, peut-être d'une famille qui traverse un temps difficile, aux besoins de notre église, des personnes peut-être qui sont fatiguées et lassées? J'ai discuté avec des responsables, ils sont fatigués pour certains. Est-ce que je suis attentif aux besoins de mon église? Et là, je dois avouer que j'étais assez repris dans quelques conversations que j'ai eues, c'est où sont les hommes aussi dans notre église? Beaucoup de choses fonctionnent avec les femmes de l'église aujourd'hui. Où sont les hommes? Mais Paul, il continue et il dit, verset 16, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Et personnellement, je suis reconnaissant pour notre église. Elle n'est pas parfaite, et celle d'Éphèse ne l'était pas non plus, si ça peut vous rassurer. Mais ce qui fait de notre église une église, ce sont les personnes qui la composent. Tu es important pour ton église ici à Venin. Sans toi, ça ne serait pas pareil. Sans toi, il manquerait quelque chose à l'église. Il faut se rappeler pour cela que nous sommes avant tout des personnes qui ont été choisies et aimées par Dieu, rachetées au prix des souffrances infinies de Christ. Et c'est ça qui te donne ta valeur. Ce n'est pas parce que tu fais plein de choses dans l'église ou que tu as toujours un mot gentil pour quelqu'un. Ce qui te donne ta valeur, c'est parce que tu as été choisi et aimé par Dieu, racheté par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on est reconnaissant. C'est pour ça que Paul est reconnaissant pour cette église-là. Et c'est là où on se rend compte qu'on est tous indignes de ce sacrifice qui est tellement grand, tellement plein d'amour, un amour si puissant, celui de Jésus-Christ pour toi et pour moi. Et c'est pour ça qu'à l'école de la prière de Paul, qu'on est en train d'apprendre ce matin, nous apprenons à remercier sur ce qui est vraiment essentiel. Nous voulons remercier pour ce qui a le plus de valeur, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour nous. Ce qui aura toujours le plus de valeur, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Pour chacun d'entre nous, mais aussi pour notre communauté, pour notre Église. Alors, que veut dire prier sans cesse? Quand on est jeune chrétien, on se dit, en fait, il faudrait que je prie en permanence. Et comment on fait ça? Alors, rassurez-vous, je ne pense pas que c'est ça que Paul voulait dire, mais je pense que c'est surtout d'être dans cette attitude d'écoute de Dieu, de méditer sur ce que Dieu veut pour moi, de qui est Dieu. Si Dieu il a tant aimé mon église, il a tant aimé telle personne, moi aussi je peux l'aimer. Moi aussi je peux prier pour elle. Tout au long de ma journée, méditer la parole de Dieu et la mettre en application. Et plus particulièrement, être dans cette attitude où on médite en permanence. Peut-être le matin, vous lisez un verset, même s'il est très court, et vous dites, mais waouh, Dieu, mais comme tu es grand. Et que toute la journée, ça puisse nous imprégner comme ça. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas pour moi-même, je ne sais pas pour vous, mais j'ai
parfois des mauvaises attitudes dans la prière. Ah, je me dis, bon, bah là, j'ai quand même déjà prié un certain temps, ça suffit, il faut que je passe à autre chose. Et parfois, je me rends plutôt compte de l'inverse, c'est que je suis très désorganisé. Je ne sais pas si ça vous arrive, ah, peut-être pas à vous, hein, ça arrive qu'à moi, mais j'arrive à la fin de la journée, le soir, et je fais, oh purée, j'ai même pas encore prié. Ne levez pas la main, je sais que vous, ça ne vous arrive pas. Je n'ai pas pris le temps de prier. Et c'est alors que je me dis que bah, je suis insatisfait, en fait, avec cette impression que ma vie de prière et ma vie de dévotion à Dieu, c'est-à-dire mon zèle pour Dieu, bah, il est parfois occasionnel, il est sporadique, il est entrecoupé, il est intermittent, il n'y a pas vraiment une régularité. Parfois, c'est fade aussi. J'ai des prières, dire une liste de cours au drive de Leclerc. Ou alors parfois c'est calculé, oui, bah là il faut quand même que je prie, hein, parce que sinon j'ai pas fait mon quota. Ça arrive qu'à moi, ça ? Ah, vous me rassurez un peu, parce que là je me sens un peu tout seul. Mais... Et justement, je pense que dans l'exemple de Paul, on voit justement le contraire, c'est de la persévérance, de la stabilité, de la dévotion, quelque chose d'un peu fougueux quoi, pour Dieu, pour ce qu'il fait, pour son amour. Et ce matin, je pense que ça nous donne l'occasion de nous encourager les uns les autres. Peut-être tu peux dire à ton voisin, n'abandonne pas, ne te relâche pas dans la prière. Ouais, je vois que vous avez réveillé quelqu'un là-bas. Mais oui, c'est important parfois de dire ça à quelqu'un. T'imagines quelqu'un qui vient, qui te téléphone cette semaine et qui te dit, je viens de prier pour toi et je veux vraiment t'encourager, n'abandonne pas, ne te relâche pas, continue dans ta prière. Vous imaginez le punch que ça donne à quelqu'un ? C'est pour ça que ça nous invite vraiment à prendre des bonnes habitudes, une récurrence, une discipline dans notre vie de prière individuelle et collective. C'est pour ça que dans notre église, vous savez, le fonctionnement qu'on a, c'est que sur un mois, en fait, on a une semaine, on laisse libre le calendrier. Et c'est fait pour qu'on puisse s'inviter les uns les autres, prendre du temps ensemble, inviter des voisins. Peut-être, vous n'avez pas besoin de faire de l'évangélisation. Et peut-être, juste avant le repas, vous remerciez Dieu avec eux, vous leur demandez s'ils sont d'accord, et vous remerciez Dieu pour leur présence, parce que ça vous fait du bien, vous êtes content d'être avec eux. Et ça marque. C'est des temps que vous pouvez mettre dans la présence de Dieu. Ou avec les frères et sœurs de l'Église. Juste prendre un petit temps peut-être de prière ensemble, si vous voyez ensemble. Après, il y a une seconde rencontre dans le mois, c'est louange et prière, le vendredi soir. Tous ensemble. Ça s'appelle tous ensemble, hein, c'est vrai. Hein. Et là, c'est un temps où on prend spécialement du temps pour louer Dieu par les chants, par les prières, c'est entrecoupé, chacun peut prendre sa place, un peu comme le dimanche matin, mais on a plus de temps pour ça. On reste vraiment focalisé juste pour adorer Dieu, aussi lui soumettre peut-être les choses qu'on a à cœur personnellement pour notre Église. Et puis après, il y a les deux autres semaines ou trois autres semaines en fonction des mois, là, il y a les groupes de maison. Donc c'est un temps où on se retrouve en plus petit nombre, à une dizaine de personnes, parfois un peu plus, avec les enfants dans certains groupes. Et là, on apprend à creuser un peu la parole de Dieu. Par exemple, on prend la prédication de dimanche, on ne va pas la refaire, la prédication, mais on va simplement se rappeler qu'est-ce que c'est, parce que c'est long, hein, du dimanche au vendredi, on s'en souvient souvent plus. Mais on reprend le texte, et après on dit, mais finalement, concrètement, qu'est-ce que ça change dans ma vie ? C'est quoi les émotions que ça suscite en moi ? Comment Dieu veut m'amener à faire un pas de plus ? Et là, on le fait ensemble, en se soutenant les uns les autres. Vous voyez ? On a besoin des uns des autres pour grandir ensemble dans notre foi. Et c'est pour ça que je nous invite vraiment à faire un focus ce matin sur la prière. Je nous invite, en tout cas cette semaine, c'est notre défi, si vous êtes d'accord, à traiter la prière de la même façon dont on mange, on boit, on dort et on travaille. Je pense que ça vous arrive parfois de louper un repas, mais vous en loupez rarement trois dans la journée. Et ça nous encourage à la constance, à la discipline, mais aussi à cultiver ce plaisir de s'adresser à notre Père Céleste. Je ne sais pas vous, mais parfois, moi, c'est difficile de commencer à prier. Tu t'arrives, tu fais, mais par quoi je vais commencer ? Et le fait, par exemple, de juste prendre quelques versets, par exemple, vous pouvez reprendre les premiers versets de l'Épître aux Éphésiens, vous lisez ça, et vous commencez à prier sur ce que vous avez lu. Et après, quand Dieu vous dit, je t'ai adopté, je t'ai choisi, je t'ai aimé, waouh, ça vaut la peine de le prier.
Qui t'aurait choisi? Qui m'aurait choisi? C'est Dieu qui t'aime. Et ça nous poussera facilement à la reconnaissance. La meilleure façon de prier, je pense, c'est comme Paul vient de nous le montrer, c'est de commencer par la reconnaissance, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous, pour toutes ses promesses. On est riche dans les lieux célestes. C'est ce qu'on a vu la semaine d'avant. Mais aussi, je nous pose cette question-là. Où est la place des remerciements dans nos prières? Est-ce qu'en fait, on fait une prière de remerciement? Je te remercie parce qu'il fait beau aujourd'hui. Et après, bon alors, il me faudrait ci, ça, 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 ça. Il n'y a aucun problème à poser, à demander des choses à Dieu. Hein, mais comment on alterne entre les deux, quoi? Pas forcément sur, le fond, parce que c'est bien de demander des choses à Dieu. Hein, mais est-ce qu'on est vraiment encore dans cette attitude de dialogue avec Dieu, d'être à son écoute? Puis aussi, je pense que une façon très pratique aussi de prier et qui se retrouve beaucoup dans les lettres de Paul. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Vous devinez de quoi je veux parler? Je relis le verset. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. À votre avis, c'est quoi? Ouais, de prier pour les autres, nominativement. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça, une petite liste de quelques personnes, je ne sais pas, de l'église, de votre groupe de maison, et de prendre peut-être un temps pour prier peut-être régulièrement pour ces personnes-là? Peut-être pendant une semaine, vous priez pour quelques personnes, la semaine prochaine pour d'autres. Vous pouvez même envoyer un message, écoute, je veux prier pour toi cette semaine, comment je peux prier pour toi? Paul, il le fait très fréquemment, et c'est ça qui est fou. Par exemple, vous lisez la lettre aux Romains, il a toute une liste de personnes qui est dedans. Il ne les a jamais rencontrées physiquement, mais il les connaît. Il prie pour eux. Est-ce que nous prions de cette façon-là pour notre église, peut-être des membres qui nous sont proches, peut-être nos familles, nos voisins? Je lisais la dernière fois un article qui disait « Les églises qui ont rencontré le plus grand accueil de non-chrétiens, c'est des personnes qui prenaient le temps de prier nominativement pour leurs voisins et pour leurs amis. » Parce qu'il y a quelque chose de personnel, rien que dans notre façon de prier avec Dieu. Et je pense que quand on va les voir après, qu'on discute avec eux, je pense qu'on n'y va pas comme si c'était impersonnel, parce qu'on sait déjà qu'on a pris une heure pour eux avant de les voir. Je ne dis pas une heure d'affilée, hein, mais si ça fait des mois que vous priez pour quelqu'un, dire, voilà, tu le connais dans sa famille, tu sais qu'il y a peut-être telle difficulté, mais moi, je te prie, s'il te plaît, de le soutenir. Je te prie, s'il te plaît, qu'il te rencontre. Je te prie peut-être pour tel enfant qui, actuellement, c'est un peu difficile pour trouver ses marques. Je te prie, s'il te plaît, que ça se passe mieux dans la famille. Je vous assure, quand vous arriverez là-bas, vous serez déjà imprégné de l'amour de Dieu pour eux. Et c'est pour ça que je nous invite vraiment à remercier pour la famille de Dieu. Remercions-le pour la famille. Et là, on va commander au traiteur et je finirai les deux autres points de la prédication. Non, on va s'arrêter là. Mais je vous invite peut-être à prendre justement ce temps maintenant où on fait silence dans nos cœurs. Et peut-être c'est l'occasion de prendre un nouveau départ avec Dieu, peut-être de la repentance déjà, de dire, ouais, je me rends compte que je ne suis pas au niveau de ce que tu désires pour moi. Peut-être c'est aussi, je veux faire des progrès dans la prière. Je te prie, s'il te plaît, de me donner ce même amour que toi tu as pour mes frères et sœurs, ce même amour que tu as pour mon voisin. Je propose vraiment qu'on puisse faire silence et que chacun puisse faire cette prière-là et je conclurai.
C'est pourquoi nous aussi, après avoir entendu de notre foi dans le Seigneur Jésus et de notre amour pour tous les saints, nous ne cessons de dire toute notre reconnaissance pour nous lorsque nous faisons mention de nous dans nos prières. Nous prions que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Nous prions qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu de nous, les saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême de notre Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui, Père, je te prie, s'il te plaît, vraiment, que tu nous remplisses de ton esprit, que tu puisses nous donner cet amour qui est extravagant, qui ne peut venir que de toi, pour notre Église, pour nos amis et nos voisins. Nous sommes tellement dépendants de toi et te prions, s'il te plaît, que tu puisses vraiment nous remplir de ton Saint-Esprit, que tu nous donnes de la sagesse et la révélation de mener une vie de quotidienne et une vie de prière qui te rende gloire et qui est centrée sur toi. Je te prie ainsi, au nom de Jésus. Amen. Et l'équipe de louange va s'installer et on va chanter ce chant qui nous invite à ouvrir les yeux pour être attentif à Dieu et à sa volonté. Ouvre les yeux de mon cœur.
tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Amen. Amen. Voilà, c'est la fin de notre culte. Merci à tous, merci particulièrement à toute l'équipe. Le culte ne se fait pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec diligence et vraiment merci à eux. Et je vous souhaite à tous vraiment une très bonne semaine et au revoir à nos amis sur YouTube et sur Zoom et à vous tous. Et pour ceux qui dansent dans la salle, il faut respecter le sens de sortie. Merci.